Voici maintenant la deuxième partie donc de ce tutoriel pour créer un graphique sous Google Sheets. On avait déjà vu dans une première partie comment utiliser la partie configurée de l'éditeur donc de graphique. Alors on va s'intéresser à une deuxième partie maintenant qui concerne la personnalisation, c'est-à-dire l'amélioration par exemple du titre, des axes, la représentation des courbes, etc. Alors, je vais double-cliquer sur le graphique pour me faire apparaître l'éditeur de graphique. Je retrouve l'onglet configuré qu'on a vu dans une première vidéo et maintenant l'onglet personnalisé. Alors, on voit ici qu'il y a tout un tas d'options qui me sont proposées. Le style de graphique, le type du graphique et des axes, les séries, les légendes, l'axe horizontal, l'axe vertical et le quadrillage. Alors, on va les voir une par une rapidement. Style de graphique. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? Une couleur d'arrière-plan. Alors, on peut modifier la couleur d'arrière-plan du graphique. Vous mettez la couleur que vous souhaitez. Bon, là, ce sont des goûts personnels. Bon, je laisse souvent en blanc. Voilà. Vous pouvez modifier la police aussi d'écriture au sein du graphique. Hop, je reviens à la valeur par défaut. Vous pouvez modifier la couleur de la bordure du graphique. Donc, par exemple, alors par défaut, c'est gris. Là, je vois, j'avais mis en vert. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, ici, hop. Je vais revenir sur personnaliser, hop, hop, hop. La couleur de la bordure du graphique, par exemple, si je mets quelque chose un peu plus visuel, comme ça, vous voyez, la bordure du graphique sera représentée en rouge. Je vais revenir sur mon style de graphique, je vais la remettre, par exemple, en vert. Voilà. On peut lisser le graphique si ce n'est pas le cas, on peut agrandir. Bon, là, j'avoue que ça n'améliorera pas vraiment la lecture, donc je l'enlève. Donc voilà pour ce premier menu. Deuxième menu, le titre du graphique et des axes. On voit qu'un menu déroulant s'ouvre. On vous propose le titre de modifier le titre du graphique, le sous-titre, le titre de l'axe horizontal et le titre de l'axe vertical. Alors on va d'ailleurs commencer par le titre du graphique parce que celui qui est proposé de manière automatique n'est absolument pas évocateur de l'expérience qu'on a réalisée, c'est-à-dire on ne sait pas quel est le facteur mesuré en fonction de quoi. Donc, deux solutions, je clique soit ici dans la zone de texte de titre du graphique, ou alors je peux modifier directement le titre ici. Alors, je vais cliquer là et je vais mettre par exemple évolution donc, de la biomasse, de l'antille d'eau, en fonction de l'apport en sel minéraux. On va mettre un petit espace que j'ai oublié ici. Voilà. Alors dans le titre du graphique, on propose des options, notamment le mettre en gras, de modifier la taille de la police également. Donc ça va être la taille générale du graphique, enfin du titre, pardon. Donc, par défaut, je crois que c'était 16 peut-être. On va faire un petit peu plus grand. Allez. 18. On va le centrer. On va peut-être modifier la couleur, un petit peu de vert, voilà, on a mis une bordure en vert, donc je vais mettre un titre en vert. Voilà. Bon. On peut modifier également le titre de l'axe horizontal, le temps en jour, oui, bon, c'est effectivement le paramètre ici qui va varier hein, donc dans nos deux expériences. Donc je vais le laisser, le titre est bon, je vais mettre en gras. Et puis on va augmenter un tout petit peu la taille, voilà, 14. Je vais laisser la couleur par défaut. Alors, je vois par contre pour l'axe vertical, Y, ici, les ordonnées, je n'ai pas de titre. Donc, le titre de l'axe vertical, donc je vais en mettre un, c'est le paramètre mesuré. Donc ici, c'est la biomasse, qui est exprimée donc en grammes de matière sèche. Par boîte de pétri. Ok, donc je le mets en gras. Et puis je vais le mettre comme pour mon axe horizontal, je vais le mettre en 14. Voilà. Bon, ça me paraît pas trop mal. Titre de l'axe vertical. Ok. Troisième menu, les séries. Alors, quand on clique sur séries, eh bien, on a un menu déroulant qui nous est proposé. Et on a bien nos deux séries qui sont proposées.
l'eau déminéralisée ici. Et deuxième série, l'évolution de la biomasse dans le cadre de l'eau riche en sels minéraux. Alors, je vais en profiter tout de suite pour modifier quelque chose que j'aurais peut-être déjà dû faire avant. Quand j'ai créé mon tableau ici, j'ai mis du noir, du rouge, du bleu. Mais par défaut, le tableur ici m'a inversé les couleurs, hein. Vous le voyez, cette série correspond à l'eau plus solution riche en sels minéraux en rouge. Moi, je l'ai mis en bleu dans mon tableau. Et inversement pour l'autre série. Alors, ce qu'on peut faire, donc, ben, je vais avoir eau plus solution riche en sels minéraux. Je choisis cette série. Et puis, ben, je vais modifier la couleur. Et puis, je vais mettre la couleur bleue que j'avais dans mon tableau. Voilà. Et puis, je vais choisir l'autre série que moi j'avais mis en rouge. Donc, je vais la mettre en rouge aussi ici. Voilà, c'est un peu plus cohérent. Alors, je vois que l'extension de l'axe vertical, l'axe Y ici, est entre 0 et 50. Oui, c'est bien parce qu'en fait, bon, il a vu que les valeurs minimales étaient entre 10 et 50, donc il m'a proposé ça, donc c'est tout à fait cohérent et lisible. Par contre, si je regarde la série eau déminéralisée sans sels minéraux, la valeur mini c'est 10 et la valeur maxi c'est 13. Donc on voit ici qu'on a du mal à lire d'éventuelles variations. Donc je vais créer un deuxième axe, un axe vertical à droite pour cette série ici. Hein, n'oubliez pas qu'on peut choisir les séries dans le menu déroulant. Et on voit ici, par exemple, pour cette série représentée en bleu, c'est l'axe de gauche qu'il faut lire. Okay? D'ailleurs, l'axe de gauche, on pourra peut-être modifier la couleur de l'axe de gauche, hein, pour que ce soit plus cohérent. Donc, je vais revenir sur eau déminéralisée sans sels minéraux, celui-ci, et je vais lui demander donc de me créer un axe à droite, pardon. Donc voilà, c'est ce qu'il m'a fait ici. Hein. Il m'a proposé de manière automatique des valeurs comprises entre 0 et 15. Donc bon, on va laisser ça pour l'instant. Alors on peut mettre des tas de choses, hein, des barres d'erreur, les libellés de données, eh bien, ce sont les valeurs qui vont directement apparaître sur le tableau. Et puis, il faut savoir, ça peut être utile dans certains cas, vous pouvez vouloir représenter une courbe moyenne ou une courbe de tendance. Donc là, par défaut, vous voyez, il vous fait apparaître une courbe de tendance. Voilà. Bon, nous ici, c'est pas très utile, donc je vais l'enlever. Hein? Voilà. Et d'ailleurs, cette courbe de tendance, vous pouvez en modifier la couleur, vous pouvez en modifier le type linéaire, etc. Donc, la courbe de tendance, je l'enlève. Voilà. J'ai modifié tout de suite donc peut-être les couleurs. Voilà, donc les couleurs du texte ici, ça correspond, donc je vais le mettre en bleu puisque ça correspond à ma série bleue. Voilà. Allez, on va mettre en gras. Je vais faire la même chose de l'autre côté ici. Oui, je clique sur le texte. Et puis je vais mettre ici en rouge et en gras. Voilà. Donc là, vous voyez, j'étais arrivé dans axe vertical. Donc, les séries. Donc, les séries. C'est fait. D'accord. La légende. Alors, on voit que la légende, elle est placée ici en haut, de manière automatique. Vous pouvez la choisir, placer à droite, à gauche, etc. Vous la mettez où vous voulez. On va les laisser en haut, donc c'était automatique. Voilà. Vous pouvez mettre en grand, en italique. Vous pouvez modifier la couleur, comme vous voulez. L'axe horizontal. Eh bien, on retrouve quelques caractéristiques de l'axe horizontal. On a déjà d'ailleurs travaillé, hein, donc mis en gras. On peut le remettre ici, pardon. Vous pouvez le mettre en italique, vous pouvez le mettre en gras. Voilà. Donc tout à l'heure, quand on travaillait sur les axes, c'était sur le titre, hein, des axes. Hein. On ne travaillait pas sur les valeurs ici, donc c'est sur les valeurs des axes, hein, uniquement. Ok, donc ça je vais laisser. On retrouve, vous voyez qu'il m'a mis l'axe vertical et l'axe vertical droit. Hein. Donc l'axe vertical par défaut aussi c'est la valeur à gauche. Vous voyez qu'on aurait pu on peut modifier la couleur du texte également à ce niveau-ci. On peut faire pareil pour l'axe vertical droit et puis le quadrillage. Alors le quadrillage, donc là on voit ici que le logiciel nous a proposé par défaut un quadrillage principal, donc nombre de lignes principales dans la grille. On peut le modifier. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, également ajouter un quadrillage intermédiaire. Donc c'est ce qu'on appelle les lignes secondaires dans la grille. Bon,
voyons un petit peu ce qu'il nous propose. Il nous propose un nombre de lignes secondaires qu'on va devoir mettre. Bon, là, par exemple, pourquoi ne pas mettre 11, 12, 13, 14? Donc, je dois rajouter 4 lignes secondaires. Pardon, j'étais dans l'axe vertical. Je vais revenir dans aucun. C'était l'axe horizontal que j'étais en train de vous parler. Donc, j'en rajoute 4. Voilà. Et puis, on peut faire la même chose sur l'axe vertical. Donc, je vais rajouter, par exemple, ici, pourquoi pas ne pas avoir 25, 35, 45. Donc, je n'ai besoin que de rajouter une ligne intermédiaire. Voilà. Bon, la mise en forme me semble à peu près correcte. Donc, je peux fermer l'éditeur de graphique. Et puis, je peux cliquer donc sur les trois petits points qui figurent en haut à droite. Alors, je peux télécharger donc l'image. Si vous souhaitez la coller, par exemple, hein, dans un Google Doc, si vous voulez la coller dans une zone de dessin, même au sein d'ailleurs du Google Sheet, hein, c'est possible de le faire. Donc, on va voir. Vous pouvez copier le graphique. Vous pouvez publier sur Internet si vous voulez. Donc, donner une adresse Internet pour que des personnes aillent directement voir votre graphique. Et puis, quelque chose de bien utile, c'est déplacer vers sa propre feuille. Alors, vous voyez qu'en bas ici, il m'a créé donc une nouvelle feuille qu'il a appelée Graphique 2. Donc là, c'est pareil, hein, vous pouvez renommer cette feuille pour que ce soit un petit peu plus clair. Et puis, vous voyez, le graphique apparaît avec une meilleure extension verticale et horizontale. Alors là, vous retrouvez tout le menu, vous pouvez modifier le graphique, vous pouvez le publier, vous pouvez télécharger le graphique hein, sous forme d'image, hein, je vous l'ai dit, vous pouvez le supprimer bien sûr, vous pouvez copier le graphique, tiens, on va le copier, voilà, c'est fait. Hein. Voilà, donc ça c'est quand même assez pratique au point de vue présentation. Alors copier le graphique, oui, tant que j'y suis puisque je l'ai fait, je vais retourner par exemple dans cette première page. Alors, vous voyez du coup, ben, le graphique hein, a disparu puisque maintenant il est sur sa propre page. Je peux insérer par exemple une zone de dessin. C'est pareil, hein, dans un Google Doc, hein, ce serait exactement la même situation. Donc je vais coller le graphique, je vais l'associer à la feuille de calcul. Ça c'est bien pratique parce que si jamais vous modifiez vos données dans le tableau, eh bien, le graphique va automatiquement se modifier. Par contre, ça ne se fera pas si vous cochez contenu collé dissocié. Donc je le colle. Voilà. Peut-être l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Et puis en dessous, eh bien, donc vous pouvez utiliser tous les outils, hein, par exemple faire un trait pour faire, par exemple, je sais pas moi, une courbe de tendance que vous feriez manuellement. Vous pouvez modifier la taille, vous pouvez modifier ce que vous voulez. D'accord? Et puis surtout, ça peut être intéressant, vous collez, surtout si on reste dans un tableur, c'est pas toujours pratique hein, de mettre du texte. Donc là, vous pouvez par exemple ici faire votre analyse et votre interprétation, par exemple, du graphique. Voilà. Donc vous l'enregistrez, vous fermez. Ce qu'il y a de bien, c'est que donc ça va apparaître. Voilà. Ici, par exemple, donc dans cette feuille. Et vous dites, zut, je me suis trompé, etc. Vous pouvez double-cliquer sur cette zone de dessin et modifier ce que vous voulez modifier, aussi bien sur le graphique que dans votre zone de texte. Hein. Voilà. Donc c'est un côté extrêmement pratique. Voilà. J'espère que je vous ai convaincu sur l'utilité de Google Sheets et que vous avez bien compris comment utiliser donc ces fonctions pour réaliser un graphique.